Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui pas de présentation de build, mais pour cette reprise du jeu après plus d'un mois de pause, en fait je vais vous expliquer les prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Donc déjà pour faire un rapide récapitulatif de ce qui s'est déjà passé sur la chaîne depuis la sortie de Waven, on va dire que je me suis principalement concentré sur une série de builds qui tournent autour de la tourbe, que ce soit du monotaire ou du ouragan, l'idée étant donc de générer un maximum d'armure. La tourbe s'est vénère sur la 0.15 et maintenant il y a pas mal de builds qui sont compliqués à jouer que j'avais déjà présenté. Et je me suis dit mais comment faire pour continuer à générer pas mal d'armure et jouer avec beaucoup de plaisir étant donné que moi ce que je kiffe c'est l'armure dans le jeu. Donc j'ai justement un peu réfléchi à des alternatives et je vais vous présenter du coup maintenant deux nouvelles séries de vidéos qui vont venir. Donc la première sera basée sur le taco. Un taco compagnon, en fait un taco un peu famille d'accueil si je puis dire. Étant donné que le concept est le même, je vais tout le temps vous présenter un build taco avec quasiment le même stuff. Et la différence, ce sera majoritairement les compagnons. Donc voilà, je ne sais pas si ça va être bien, je ne sais pas si ça va marcher, mais bon. Je ne sais pas non plus à quel point je ferai de vidéos dessus. Je vais tester pas mal de compagnons, j'en ai déjà testé pas mal. Il y a déjà 2-3 vidéos de prévues. Plus peut-être si j'arrive à faire tourner le build ou l'optimiser encore un petit peu. Donc ça c'est une des deux séries qui viendra et en parallèle il y aura une série de 5 vidéos sur le Lamargaidon qui va toujours être aussi orientée sur le gain d'armure. L'idée ça va être de jouer un Lamargaidon mono-élément. Donc il y aura 4 vidéos de présentation pour chaque élément, enfin une vidéo par élément du coup. Air, terre, eau sont déjà faites et la feu, enfin, je dois continuer à optimiser la voie feu. Mais ça, c'est du coup une série de vidéos qui va arriver avec forcément une petite review à la fin qui fait un petit récapitulatif des 4 différents builds, leurs forces, leurs faiblesses à chacun, etc. Voilà, donc c'était juste une toute petite vidéo pour vous annoncer que je reprends le contenu sur le jeu et que ça va pas tarder à arriver. Alors à tout bientôt pour un build sur le taco.